Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un big haul Shein du Black Friday. Donc, j'ai légèrement, mais alors très légèrement abusé. Mais voilà. Donc, on va commencer tout de suite parce que ça risque d'être assez long. Je vous affiche les miniatures, les prix avec la réduction et voilà. Pour tout ce qui est bas, je pense pas que vous verrez très bien, même quand je vais me reculer. Donc, je vous inclurai une petite, un petit close-up ici. Bref, quelque part. Donc, on va commencer par le make-up. J'ai commandé pour faire un full face, un crash test full face. Donc, vous l'aurez le 6 décembre, il me semble. Ça fait très longtemps que vous me demandez de tester cette marque. Donc là, je me suis dit, allez hop, on profite du Black Friday et j'achète la masse de choses, quoi. Donc, j'ai vraiment pris tout. Il ne manque que la base à paupières. Je crois que c'est ça. Ouh, mon anneau lumineux fait des conneries. Donc, c'est emballé dans du papier bulle. C'est livré dans un sac aussi. Il n'y a pas de carton, même pour le make-up. Donc, voilà, je vous montre dans le désordre, pas forcément dans l'ordre de make-up, mais on va déjà regarder un petit peu le make-up et les détails, je vous les donnerai plus en détail dans la vidéo crash test. Donc, pour commencer, j'ai pris un highlighter, donc c'est le Chromazone, c'est une nouvelle gamme qu'ils ont sortie chromatique, de chez Shiglam, forcément. C'est un poids de 3 grammes. Et c'est la teinte, je ne sais pas si c'est une teinte, je ne crois pas. Donc voilà la boîte, toute holographique vêtue. Le packaging est très classe, il est mat comme ça, transparent mais mat. C'est le lucide, voilà, la teinte est marquée derrière. Ouh. Ça, j'ai quand même envie de faire un swatch. Donc apparemment il est multi-reflet. Alors l'éclairage est pas au top. Ah oui, oh là. Bon, ça a l'air prometteur. J'ai hâte de tester tout ça. Alors ensuite j'ai pris ceci. Qu'est-ce donc ah oui, c'est un bronzer liquide soft tan. Il y a 5,5 g. Franchement, les petits plastiques, c'est un peu débile. Hein. C'est pas pour faire des économies ni de l'écologie. Hein. Est-ce qu'il y a une teinte de noter? Bon, je crois que c'est soft tan. Ça se présente comme ceci. Franchement, plus vous me le demandiez et plus il y en a qui me disaient, vas-y, teste, tu verras, c'est de la bombe. Donc je me suis dit, allez. On y va. Tant qu'à faire, on y va. Tant qu'il est emballé dans un petit carton comme ça. Oui, ils font pas trop d'économie. Ouais, donc c'est bien la teinte soft tan. Voilà comment ça se présente. Donc ça fait vachement penser au Rare Beauty. Et voilà. C'est un embout comme ça, mousse. Il sent bon. Donc on testera ça. Je ne vais peut-être pas remettre dans les cartons, hein, ça ne sert à rien pour le crash test. Ensuite, normalement, ouais, j'ai pris un highlighter pareil, un blush, dans la même collection. C'est le 104 Ricky Business. Ouais, j'ai pas pris de fixateur aussi. Donc, même packaging, mais rose. Et on va regarder la teinte. Qui a l'air hyper joli. Donc j'ai pas pris de bronzer et de blush poudre. J'aurais peut-être dû parce que quand je remets mon fond de teint poudre, ma poudre et mon fond de teint poudre par-dessus, quoique là j'ai pas de fond de teint poudre, donc ça peut le faire. Toujours dans la gamme chromatique, j'ai pris un crayon qui fait 0,25 grammes. C'est un gel liner. Je sais pas s'ils disent qu'il est waterproof ou pas. On va regarder. Il
Vous voyez pourquoi l'emballer dans une truc en plastique, quoi. C'est débile. Je trouve ça vraiment débile. Donc voilà le packaging, le carton. La teinte, est-ce qu'elle est notée quelque part? Oui, ici. C'est la teinte Zénith. Il y avait trois teintes différentes, je crois. J'ai largement hésité. Donc il se présente comme ça. C'est un crayon rétractable. Il est noir mat. Vous avez la teinte notée ici. Donc je ne sais pas si les autres sont tous pareils. Ouh. Je ne sais pas si vous voyez le duochromage du bazar. Mais on le voit sur la mine déjà. En tout cas, il est super crémeux. Donc on verra si ça tient en muqueuse ou pas. C'est pas conseillé pour, je pense, mais on verra bien. J'ai les plastiques qui collent à mes chaussettes. Ensuite, j'ai pris... ah oui, le liner pour coller les fossiles. Donc c'est pas comme le... C'est pas un liner noir comme le W7, c'est un liner transparent. Donc c'est une colle, quoi, mais en format liner. Donc ça, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de tester. Oh, le packaging est surprenant. Je vous ai montré la boîte ou pas? Voilà la boîte. Mais alors, le... c'est surprenant. C'est pas hyper pratique, d'ailleurs, pour l'ouvrir. Faut dire ce qu'il y a. Et donc, c'est un petit pinceau liner, comme ça. Et c'est de la colle à fossile que vous mettez d'abord sur votre paupière et enfin sur votre ras de cils, et ensuite vous collez vos fossiles. À tester. En fossile, j'ai pris ceci. Voilà, tout ce qu'il y a de plus plastique. Encore un papier plastique pour rien. Ça m'énerve. Est-ce qu'il y a un nom de modèle ou quoi? Non, c'est tout basique, il n'y a rien de noté. Mais ils ont l'air très beaux, très fournis. Ensuite, alors attendez, qu'il y a encore un plastique. J'ai pris... Ah oui, c'est pour les sourcils, hein. J'en ai deux. Parce que j'ai eu l'autre à 90%. Donc il m'est revenu à, je ne sais plus, 3 centimes, je crois. Donc j'en ai pris deux, hein. C'est pas perdu, je vais en ouvrir qu'un. Donc c'est un crayon pour les sourcils, c'est le Skinny Brow Pencil. Et la teinte, c'est grey. Donc, comme c'est du gris, je pense que ça peut être sympa. Moi, c'est le genre de teinte que j'aime bien. Donc, d'un côté, le goupillon. C'est noté dessus. Ça, c'est bien. Tout, ils ne le font pas tous. Et voilà la mine qui est super fine. Donc, j'ai hâte de tester ça. De toute façon, vu ma consommation de crayons sur side, c'est pas perdu. Et donc, j'en ai pris un deuxième puisqu'il était à moins 90%. Ensuite, ah oui, je vous ai dit, j'ai tout pris. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un matte allure liquide lipstick en teinte Hitters. Petit clin d'œil. Voilà. Le packaging est très joli. Très soft, mais très joli. Avec les petites éclaboussures comme ça. Et voyons voir la teinte. Ils sont rien de spécial. On va quand même faire un petit swatch. Ouh. C'est totalement mon genre de teinte. Faudra pas que j'oublie d'enlever mes swatchs avant de faire l'essai des fringues. Ensuite, ici nous avons donc, je crois que c'est le mascara. Ouais, c'est le Shiglam All-in-One Volume and Lens Mascara. Stay Wild. Donc, c'est celui qu'on voit le plus passer. Moi, c'était le seul qui me... Mais je crois que c'était le seul qui n'était pas waterproof. Si je dis pas de bêtises. Mais il paraissait intriguant. Donc, je me suis dit, on va l'essayer. Bon, ça reflète avec le plastique autour. Le packaging est très joli. Donc, c'est un double embout. Vous avez d'un côté une brosse courbée pour la longueur, qui peut être pas mal pour les cils du bas aussi. Et de l'autre côté, normalement, la brosse volume, ouais, en forme de cacahuète. Eh bien, écoutez. Par contre, il pue, hein, il sent l'alcool. Ensuite, ici, c'est le concealer.
j'ai pris un concealer assez basique. Je l'ai pris en teinte vanilla. J'ai pris une des plus claires. C'est un format... c'est pas marqué. C'est peut-être marqué sur le flacon. Bizarre. Ah, c'est là. 3,8 g. Oh, ça va. Très classe aussi. Voyons voir l'embout. Tout ce qui est plus basique. Assez petit, comme le essence. À tester. Alors, ceci emballé dans un papier bulle Pigment Perfector. Ah, c'est le primer. Donc, c'est juste dommage parce qu'il n'y avait pas de primer en pompe. C'était, il y avait que deux pots, en fait. Il y a le choix qu'entre deux, la même, mais en deux versions. La teinte blanche et la teinte rose. Moi, j'ai pris la Birthday Skin Primer Pigment Perfector. Donc, ça illumine, ça camoufle les taches et tout ça, tout ça, tout ça. Il y a la petite spatule fournie avec. Ça, c'est pas mal. Infinite Style. Je vous ai dit le grammage. Non, je ne vous ai pas dit. Ouh, putain, je fais n'importe quoi. 30 grammes, donc c'est pas rien. Packaging comme ça, effet miroir. Opercule de protection. Ouh. Alors, elle a l'air assez onctueuse. Ouh, elle sent super bon. Elle sent un peu le citron. Ouh, elle sent super bon. Après, j'aime pas trop les formats peau. Je suis pas super fan. Je trouve pas ça super hygiénique. Mais avec la petite spatule, ça va. J'ai pris un fond de teint, bien évidemment. Donc, qui a très bonne réputation, apparemment. Il y en a plusieurs qui m'ont dit, teste-le, tu verras. Il est super. Donc, écoutez, vous avez intérêt que ce soit que vous ayez raison. Parce que sinon, je vous tape. Donc, c'est le Complexion Pro Long Lasting Breathable Matte Foundation que j'ai pris en teinte nude. Donc, j'espère que la teinte, ça ira parce que les Chinois, ils ont une teinte... Oh, très classieux. Ça emballé dans un petit pochon en velours comme ça. Bon, après, c'est des dépenses inutiles, quoi. Le packaging est encore mat. C'est un format pompe et la teinte a l'air pas mal. On verra. J'espère qu'il ne s'oxyde pas trop parce qu'elle a l'air pile ce qu'il me faut. Et pour finir, donc, il me reste deux produits. Donc ça doit être la poudre. Alors, elle a l'air gigantesque. Moi, je la pensais toute petite. Donc ça, c'est emballé dans dans de la mousse comme ça. J'ai pris la Instant Ready Face and Under Eyes Setting Powder Duo. Format 7 grammes. Ça avait l'air très intéressant comme idée. Donc vous avez en dessous la poudre. Il n'y a pas énormément de quantité. Hein. Alors attendez. Vous avez au-dessus la poudre compacte pour le dessous des yeux. Donc pour poudrer le dessous des yeux et il lisse et tout ça, tout ça. Et au-dessus, la poudre, mais alors, je sais pas si vous allez voir. Attendez, je vais la mettre à la verticale. Avec la moitié dedans, quoi. Avec une protection en plastique pour remettre l'autre par-dessus. Donc, vous avez l'autre, c'est le capuchon, en fait. Ça a l'air pas mal. Après, la quantité, ça laisse un peu à désirer, quoi. Il pourrait au moins la remplir à 3/4. Hein. Et en dernier, j'ai pris donc une palette. Est dans la collection Chrome. Donc pareil, emballé là-dedans. Donc elle fait 4,8 g Chroma Zone et Shadow Palette. Alors par contre, elle, je la pensais plus grande. Voilà le packaging. Et c'est la teinte Time Warp. Pareil, hein, vous avez été nombreux à me conseiller les palettes, sans dire que c'était de la très bonne qualité pour le prix. Après, moi, c'est pas le genre de marque que j'aime acheter des palettes. Mais celle-là, elle avait l'air intéressante. Elle est très belle. Donc, elle fait partie de la collection comme la lighter. Et elle a le même packaging. Donc, vous avez la petite opercule de protection. Et vous allez vous demander pourquoi je l'ai pris ou pas.
Donc, il n'y a que ce fard-là qui est chrome. Hein. Voilà, c'est la collection chrome, mais il n'y en a qu'un. Mais il a l'air magnifique. Donc, je vous ferai les swatchs dans la vidéo. Celui-là a l'air canon aussi. Par contre, je suis en train de me demander si les teintes s'accordent vraiment entre elles. Ouais, il y a moyen. On verra. Il y a 3 mats dedans, un duochrome et 4 irisés. Enfin, ici, c'est un mat pailleté et des irisés. On verra bien, mais voilà, petite palette de voyage, ça peut être sympa. On va passer aux accessoires. Donc, je me suis recommandé des élastiques à cheveux, comme ça, des petits, hein, pour faire mes petites caouettes au-dessus de la tête et tout ça. Il y en a 240 à l'intérieur. J'ai trouvé des blancs. Il n'y en avait pas quand j'ai passé ma commande. Donc, prochaine commande, il y a des noirs et blancs. J'aurais bien aimé trouver que des blancs pour faire mes petites caouettes et qu'on voit les élastiques. Alors, je me suis pris 2 coques de téléphone, déjà une pour Noël. Et comme on dit. Voilà. Donc, elle est assez souple, elle est beige, avec un petit Bambi dessiné dessus. Et je me suis repris une coque Queen. Voilà. Donc, c'est une coque transparente, cette fois, avec des trucs... Alors, ça ne tient absolument pas, c'est du flocage par-dessus. Mais bon, elle tiendra le temps qu'elle tiendra, quoi. Voilà. Voilà, faut que j'arrête avec mes obsessions de Queen. Hein. Alors, je me suis pris un bracelet qui est emballé dans un pochon séparé. Enfin, un pochon, une petite... truc en plastique. Donc, c'est un en cuir avec un Bambi. Oui. La nouvelle obsession du moment. Hein. J'ai toujours été obsédée par les Bambi, mais en ce moment, c'est beaucoup. Toujours à l'approche des fêtes en automne. Encore emballé dans une petite pochette en plein, un petit papier poche. Je trouve ça complique un baby, hein. Alors, c'est un avec un cordon comme ça en cuir. Et c'est un multi-rang avec des perles et un petit truc. Alors, il tourne. Voilà. Si, mais bon, je l'ai payé 1€, je crois. Donc, je ne me suis pas ruinée. Bon, j'essaierai de le mettre tantôt parce que j'arrive pas à le desserrer. Toujours obsession de Queen et de Bambi. Je me suis pris des stickers muraux. Voilà. Donc, je ne sais pas si je les mettrai ici. Je vous en parlerai dans le vlog de dimanche. On regardera ça ensemble. Donc, ils sont enroulés. Donc, ça, c'est bien. Au moins, ils ne sont pas pliés. Et vous avez un rouleau en frigolix. Donc, je me suis pris un Queen. Ouais, il faut que j'arrête. Mais je me disais, dans mon fond, au-dessus de mon étagère, ça peut être sympa. Pourquoi j'ai une gueule? Je ne sais pas pourquoi. Et ensuite, j'ai pris un Bambi. Là, il est en 3 parties, donc vous n'allez pas bien voir. Il est même en plusieurs parties en fait. Bon, wow. À mon avis, il est super grand, donc je le mettrai en bas. Je le pensais plus petit et le mettre sur le côté à la place de mon sapin, mais en fait, c'est tout. Bah, vous avez ici en mini. Voilà, c'est toute la famille, donc je le mettrai en bas. Je vais peut-être faire ça tantôt en attendant les autres. Voilà pour ça. Donc, on va passer au frein. Donc, en premier, je me suis pris 2 ensembles parce que j'adore ça chez Shein. Donc, je me suis d'abord pris celui-ci avec un pull blanc à capuche avec un M devant. Ici marqué, je ne sais pas lire, A Blaze sur les manches. Donc, c'est un crop top, hein, il est assez court. La matière n'est pas comme je pensais, donc c'est en camo, c'est du flocage. Et le pantalon, c'est un leggings, pareil, en camo, avec bande blanche sur le côté. Et ça, j'ai pris en S, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc, j'essaye ça et je vous montre. Alors, le pull, ça va, vous voyez absolument rien. Je vais essayer de vous baisser encore un peu. Voilà. Vous voyez pas ma tête, c'est pas très grave. Alors franchement, j'ai pris en S. En fait, le problème que j'ai, c'est que sur Shein, le M est trop large. Et le S
est un peu just pour ce genre de truc. Alors, je rentre dedans, il me va très bien, mais il est un peu tendu, bien qu'il va se détendre. Donc, je vais essayer de vous inclure une photo entière. Le pull, j'aime bien. Les manches ont une bonne longueur. Et vous avez donc la capuche. Ouais, on peut aller faire de la boxe. Franchement, j'aime bien. Alors, deuxième ensemble. Oui, vous ne me voyez pas bien du coup. J'ai pris un verre. Ça vous étonne? Avec des perles. Ça vous étonne? Alors, le haut, c'est un pull avec des coupures aux manches. Voilà, les épaules dénudées, j'adore ça. Donc, c'est un beau vert sapin avec des perles blanches et des espèces de perles argentées qui redescendent sur l'autre partie. Et voilà, tout ce qu'elle pull. Ah, il y a un nœud en dessous, je n'avais pas vu. Et le pantalon, donc pareil, j'ai pris en S ici. Ouais. Même couleur avec les poches et les perles sur les poches. Et avec un truc resserré, pas très resserré, mais resserré quand même en bas. Donc j'essaye ça, Tough Weight. Alors celui-là, j'adore. J'adore le top. Il n'est pas trop court. Bon, c'est un crop top quand même, mais pas trop court. Et le pantalon, vous voyez celui-ci en S, il va beaucoup mieux que l'autre, le leggings, qui est un peu plus tendu. J'aurais dû prendre le leggings en M et celui-ci en S, mais bon, le leggings va se détendre. Hein, si je le porte sur la journée, je veux dire à la fin de journée, il va être un peu détendu. Il ne fera peut-être pas long feu. Après, il va peut-être s'effilocher et tout ça. Mais bon, pour le prix. Mais je pense que l'autre, celui que je veux commander, non, c'est dans le même style que ça. Mais celui-là, j'adore. Ça fait aussi habillé. Ça fait un peu comme une combi, en fait. Sans que ce soit une combi. Donc, avec le côté pas chiant pour aller faire pipi. Voilà. Franchement, j'adore. J'adore. Et le haut, il est magnifique. Je sais pas si vous voyez bien les détails. Mais j'aime beaucoup. Beaucoup. Alors, j'ai pris un pantalon à carreaux rose. J'adore les pantalons à carreaux. J'en ai déjà un de chez Shein. Donc, c'est rose et bleu. Et c'est un taille haute. Hop là, avec une ceinture. On va peut-être d'abord passer au top. Comme ça, ça fera mieux avec le top. Ouais, on va faire ça. Donc, j'ai pris un top qui était dans mes suggestions. Et quand Shein me connaît trop bien. C'est un top noir comme ça, avec un dessin en tulle devant. Donc, tout ce qui est plus basique. Je crois que j'ai pris en S aussi. Ah non, en M celui-ci. Voilà, ben, je crois que j'ai bien fait. Parce qu'il m'a l'air un peu étroit et très court. Donc, on va essayer ça tout de suite. Non, quoique, le S, ça aurait peut-être pas été du luxe. Hein. Mais bon, voilà. De toute façon, c'est plus la saison de le porter tout seul. Donc, voilà. J'aime beaucoup. Il a une bonne taille. Il a une bonne texture, assez douce, comme ça. Et le dessin devant est juste sublime. Et j'adore les tops avec les... Comment ? Les manches, comme ça. Je sais pas comment ce qu'on dit. C'est pas les... Si, c'est Marcel. Non, c'est pas Marcel. Marcel s'est croisé dans le dos. Enfin, je ne sais pas, mais voilà, je trouve ça très, 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 très joli. J'aime beaucoup. Donc, on va pouvoir passer au pantalon, qui est donc un taille haute, que j'ai pris en taille. Je ne sais plus si j'ai pris du S ou du M. J'ai pris du M, parce que c'est pas une matière... Bon, c'est élastique, mais c'est pas une matière super extensible non plus. Donc, j'aime beaucoup les dessins. Moi, j'en ai un autre que j'avais acheté dans un ensemble avec un haut. Et la texture est plus genre maillot de bain. Là, vous voyez, enfin, j'appelle ça maillot de bain, mais c'est pas du tout le cas. Mais très lisse, là, vous voyez. Donc, bah, écoutez, on va essayer ça. Par contre, je vois pas où est l'endroit et l'envers là-dedans. Et il n'y a pas de... Ah, il y a des poches. Mais il n'y a pas de... Ah, si. Il y a des lichettes pour la ceinture. Donc, j'essaye ça. J'adore. Alors, franchement, heureusement que je n'ai pas pris en S, je pense, parce que, bon, là, il baille un peu ici, mais il me sert un peu au niveau du cucu, voilà, du flubber qui pendouille. Mais si je veux mettre mes mains dans les poches, au moins, c'est bon. Et avec le top, ça va très bien. Et voilà, je trouve que les tailles hautes, j'adore ça, ça met vraiment en valeur. J'aime beaucoup et j'adore les pantalons à carreaux. Voilà, et dans les teintes avec du rose, j'en avais pas.
Alors, je me suis pris un gilet en laine vert. Est-ce que cela vous étonne? Alors, celui-là, j'ai déjà dû l'essayer avec le prochain truc que je vais vous montrer. Parce que c'était une commande à part. Et pour être sûr de pouvoir valider et que si jamais j'avais des retours à faire, j'ai essayé tout de suite. Moi, je les ai eu hier, hein, mais voilà. Donc, c'est un gilet. Alors, il est en laine, mais une laine toute douce, toute feutrée, comme ça, que j'ai pris en M aussi, je crois. Ouais, tout ce que j'avais commandé hier, c'était en M. Ouais, c'est ça. Donc, ça ira pas forcément avec le pantalon. Hein. Mais par contre, avec le top, ça va être très beau. Voilà. Donc là, par contre, clairement, j'ai un problème de manche. Mais on les fait bouffer quand c'est comme ça. Donc, on rentre le truc qui se resserre vers l'intérieur. Moi, de toute façon, je remonte toujours mes manches aux trois quarts. Et je ne sais pas rester avec les manches baissées, sauf quand j'ai vraiment très froid. Avec mon pull, par exemple. Donc, voilà ce qu'il donne. Et il est vraiment très beau. Donc, vous avez les petites torsades. Ces trois gros boutons. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, les torsades sont très jolies. J'adore. Et avec le top en dessous, ça donne bien. Voilà. Oh là là. Il est doux. Il est super doux. Donc, bien sûr, je vous mets tous les liens en bas. Le prochain, c'est un pilou-pilou gilet slash veste. On ne sait pas trop. Je l'ai acheté clairement à cause d'Emmy. Voilà. J'ai enlevé un pull que j'avais vu en teint de chocolat qui me faisait de l'œil pour pouvoir prendre ce gilet-là à la place. Mais au moins, ça me fera une veste pour sortir quand je ne veux pas mettre ma grosse veste de pluie ou des trucs comme ça. Elle est magnifique. Elle est douce. C'est adorable. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Je vous montre ça tout de suite. Donc, c'est une courte. Mais oh my god. Alors, il n'y a pas de poche. Ça, c'est dommage. Elle se ferme avec une tirette. Alors, si avec ça, j'ai froid. Bon, les manches sont un peu grandes pour moi aussi. J'ai souvent ce problème-là hein, chez Shein. Là, je pense que j'aurais pu la prendre en S. Parce qu'elle est un peu large. Même si je mets un pull en dessous, je pense qu'elle va être trop large. Mais, au pire, je mettrai deux pulls, quoi. Mais j'adore. Elle est trop belle. Avec un gros col, bien mousseux, bien chaud. Ouh. J'aime trop. Voilà. Alors, j'ai un autre top. Donc, j'ai pris celui-ci avec des perles. C'est encore un crop top. Hein, et les manches ont l'air de faire 15 km de long pour moi. Avec un petit col montant à volant et des perles. J'ai pris en S, je crois. Non, en M. Je crois que j'ai bien fait aussi. Donc, je vais enfiler celui-là. Bon, là, clairement, il est un peu court pour moi. Avec un taille haute, ça passe. Mais, vous voyez, ça, on voit quand même... Bon, après, ça va, hein, c'est pas choquant non plus. La couleur, j'adore. Les perles sont très jolies. Et voyons voir ce que ça donne au col de plus près. Oh, j'aime bien. Donc pareil aux manches, hein, c'est froufouteux comme ça. Enfin, si, comme ça quoi. J'aime beaucoup. Oh, quoique non, finalement la hauteur ça va. Bon après, il ne faut pas que je lève trop les bras non plus. Hein, mais ça va. Avec mon jean taille haute, je pense que ça passe. Et au pire, quand j'ai ce genre de trucs qui sont un peu trop courts, ce que je fais, je mets un top, ben, tout simplement comme celui-ci à bretelles, qui est un peu plus long pour faire une bande en fait. Avec le noir, c'est l'idéal, hein, voilà, ou blanc, ou pas de la même couleur, hein, mettez pas un autre marron, sinon ça fera bizarre, mais voilà, alors ça dépasse en dessous, et comme ça on voit pas mon petit bidou tout flash. Mais là ça va, franchement, je sais pas si, non il va pas trop avec le pantalon, mais avec le gris que j'ai, j'en ai un comme ça, noir, blanc et gris, il ira d'enfer, quoi. Voilà, donc il me reste plus que deux pulls de Noël. Alors, tout d'abord, j'ai pris, mais c'est un suite, hein, mais voilà. Bambi ! Voilà, qui ira très bien avec mon téléphone. Donc là, je les ai pris en M quand même, pour être à l'aise. Hein. Donc c'est vraiment un sweatshirt, mais très épais et molletonné à l'intérieur. Super doux. Par contre, c'est du flocage, donc n'oubliez pas de bien le laver à l'envers. Sinon, quoique le flocage de chez Shein tient très bien, mais laver à l'envers.
Donc je vous montre. Ta-ta! Alors c'est sûr qu'après, ensuite, j'ai l'air de rien, j'ai aucune allure. Voilà, il est un peu trop large, hein, même beaucoup trop large. Hein, en S, il aurait été très bien aussi. Mais je voulais vraiment être à l'aise parce que je vais très certainement m'en servir comme pyjama hein, pour pas avoir froid. Mais j'adore. Il est trop beau. Voilà, il est trop kiki. Regardez comme c'est mignon. Oh, c'est mignon, mignon, mignon. Voilà, j'aime beaucoup. Et dernier pull de Noël, qui est un vrai pull de Noël, cette fois-ci, rouge. Voilà, chérie aime beaucoup quand je mets du rouge avec un cerf. Hein. Oui. Je vous étonnais plus. Et des flocons noirs. Il était en plusieurs coloris, je crois. Mais voilà, je le trouvais très beau. Donc pareil, je l'ai pris en M. Voilà. Donc c'est pareil, hein, ça ne me met pas super en valeur. Mais moi, j'adore ça pour l'hiver. J'adore les pulls en laine et encore plus ce Noël. Et encore plus avec des bambis. Donc voilà. J'adore. Puis le rouge, chérie aime beaucoup quand je mets du rouge. J'en mets très peu. C'est pas une couleur qui m'attire plus que ça. Mais pour Noël, le rouge, c'est rouge, quoi. Voilà, voilà. Ben écoutez, je vous ai tout montré. Oui, c'est un petit carnage financier. Après, c'était des très belles promos. Je vais me remonter un peu. Voilà, c'était des très belles promos. Je suis très contente de mes achats. J'aime tout. Mais alors, j'ai eu vraiment un gros coup de cœur... sur la doudoune, là. Oh, j'adore. Et l'ensemble vert. Là. Oh, j'adore. Et puis, en plus, il est super confortable. Donc, voilà. Maintenant, j'ai hâte de voir ce que le sticker va donner sur mon mur. Le Queen. Dites-moi ce que vous en pensez. Si on le tape. Je pense que je vais le mettre ici au-dessus, mais vous ne le verrez pas en vidéo. Hein, mais juste pour le délire. Quoi. Voilà. Et on va bientôt crash-tester le make-up Sheila. Donc dites-moi en commentaire quelle est la pièce que vous avez préférée dans ce haul. Si vous allez en commander, enfin, dites-moi tout comme d'habitude. Je vous mets le maximum de liens en barre d'infos. S'il n'y a pas le lien, c'est que je ne les ai pas retrouvés. Vu que c'est des promos, c'est des fins de stock. Et voilà, donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas fait. Surtout si vous ne voulez pas rater le make-up, le crash test du make-up. Et donc en attendant de... dimanche pour le weekly vlog. Moi, je vous dis bisous, bisous.